Aujourd'hui, nous allons voir les définitions scientifiques des types de bipolarité, type 1, type 2 et les autres. On va être dans un travail de vulgarisation de ce que nous dit la science, et bien sûr, vous aurez des sources pour approfondir le sujet. Quels sont notamment les tests qui existent sur le type de bipolarité ? Hello et bienvenue sur Parole de Bipolaire, un lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, c'est Julien, un coach pour les bipolaires. Et moi, c'est Clément, je suis fondateur de Upstage pour vous aider dans votre accompagnement. Et pour rentrer dans le vif du sujet, Julien, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, toi de ton côté, quel type de bipolaire tu es ? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que dit la science justement sur le sujet ? Yes. Alors moi, ce qui est rigolo, c'est qu'on déjà, on m'a fait différents diagnostics de bipolaire. Donc j'ai été bipolaire de type 2 et bipolaire de type 1 selon les psychiatres que j'ai eus. Et finalement, bah, ça s'avère être plus bipolaire de type 1 parce que j'ai vraiment fait un accès maniaque fort à un moment donné dans ma vie. Après, c'est vrai qu'au quotidien, le premier diagnostic de bipolaire de type 2 n'était pas forcément mauvais parce que j'avais davantage des phases d'hypomanie et de dépression plutôt que de forte manie. Donc, on va voir que la bipolarité, elle peut se différencier en type 1, type 2, il y a les cyclothymies, et il y a d'autres types de bipolarité. Mais les principaux, c'est vraiment le type 1 et le type 2, et la cyclothymie aussi. Donc, pour définir un peu comment on définit si on est type 1 ou type 2, on va se baser vraiment sur ce que dit le DSM-5. On va vraiment, juste pour revenir là-dessus, se baser sur ce qui est écrit sur la science. On vous parle bien sûr de nos expériences. Mais là, c'est vrai, bah, Julien, justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que dit la science sur la bipolarité de type 1 ? Yes. Du coup, vraiment, le trouble bipolaire de type 1, ça va être ça va nécessiter de regrouper plusieurs critères. Et le principal critère, ça va être vraiment d'avoir fait un épisode maniaque reconnu. Et je vais dire après comment on fait pour définir vraiment un épisode maniaque reconnu. Et en fait, il faut que ça soit précédé ou non, finalement, par une dépression majeure ou de l'hypomanie. Alors, du coup, pour définir vraiment le côté maniaque, pour définir les critères d'une phase maniaque, c'est que ça va être déjà délimité sur le temps, c'est-à-dire que ça va être au moins pendant une semaine ou n'importe quelle durée si on a été hospitalisé, c'est important de le préciser aussi. Si, à partir du moment où on a été hospitalisé pour une phase haute, ben on estime qu'on est dans une manie. Et ça va être un épisode, du coup, comme je disais, d'au moins une semaine, durant lequel l'humeur va être anormalement élevée. On va être expansif, on va être très irritable. Il va y avoir une augmentation anormale de l'activité et de l'énergie aussi, qui va être dirigée souvent vers un seul but. Juste un point de détail que je tenais à dire, c'est peut-être je vais redéfinir ce que c'est qu'une manie et une hypomanie. Alors, en fait, une manie, c'est la forte. En fait, c'est une hypomanie en puissance 4. C'est vraiment quand on est dans le très haut et que parfois, on a besoin d'une hospitalisation, alors qu'une hypomanie, on a plus d'énergie, mais c'est quand même moins important et généralement, il n'y a pas d'hospitalisation. C'est comme ça qu'on différencie les deux. Juste un détail aussi que je tenais à dire, c'est que les critères qu'on vous donne là, vous ne pouvez pas vous auto-juger. Mais je vais laisser quand même Julien peut-être un peu développer ça. Dans le sens où c'est bien d'avoir ces informations. N'hésitez pas, bien sûr, sur votre psychiatre et allez regarder aussi notre vidéo sur le diagnostic si vous le souhaitez pour développer un petit peu le sujet. Mais vas-y, je t'en prie. Vidéo qui se trouve juste là sur le diagnostic. du coup, comme tu le dis, n'hésitez pas vraiment à demander à votre psychiatre. C'est vraiment lui qui va déterminer si vous êtes type 1 ou type 2 ou cyclothymique ou autre. Et donc, après, ce qui est important, c'est de savoir si finalement on décrit les différents symptômes, au moins trois des symptômes que je vais vous décrire là. Donc, l'estime de soi qui est exagérée, un besoin de sommeil qui est réduit, une plus grande loquacité en général, une fuite des idées, on passe du coq à l'âne, on va avoir une distractibilité, une irritabilité qui est accrue, on va avoir une augmentation de l'activité qui aura orienté vers un but, que ce soit scolaire, professionnel, sexuel, etc. Ou alors,
un engagement qui est excessif dans des activités qui potentiellement sont dommageables sur le long terme. C'est-à-dire, on va s'engager dans des achats inconsidérés, on va avoir des conduites sexuelles qui sont dangereuses, etc. Ensuite, ce qui va vraiment déterminer la manie, c'est que la perturbation qu'on va vivre, la perturbation de l'humeur qu'on va vivre, est suffisamment sévère pour entraîner une altération du fonctionnement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, de la personne. Et dernier critère de définition d'une manie, c'est vraiment que le côté que la manie, elle n'est pas déclenchée par des effets d'une prise de substance comme de la drogue, de l'alcool, etc. Ouais, c'est super, mais merci beaucoup, Julien. Là-dessus, enfin, on essaie de vulgariser, et surtout Julien, merci à lui, parce que c'est pas un exercice facile, ce qu'on a pu lire hein, dans des documents scientifiques. On va vous mettre aussi les sources de ces documents, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et on se répète, mais il y a aussi le Centre Expert qui existe en France pour vous diagnostiquer et savoir quel type de bipolaire vous êtes. Et donc, n'hésitez pas vraiment les contacter. Il faut juste avoir une demande médicale pour pouvoir être mis en relation avec eux. Donc, il faut demander soit votre psychiatre ou votre médecin traitant. Yes, et si je peux rajouter un petit truc, du coup, c'est vraiment le côté, là où dans le DSM-4, ce n'était pas le cas, aujourd'hui, dans le DSM-5, quand on passe dans un épisode maniaque suite à la prise d'un traitement antidépresseur, bah, ça détermine aujourd'hui le fait d'être bipolaire de type 1. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est que le DSM-4, DSM-5, Julien? Alors du coup, le DSM-5, c'est vraiment l'évolution du DSM-4 qui a été l'évolution du DSM-3, etc. Et c'est le manuel de diagnostic et des statistiques des troubles mentaux. Donc c'est vraiment là où on va trouver toutes les ressources sur les définitions et les statistiques en ce qui concerne le diagnostic aussi, en ce qui concerne les troubles mentaux. Ok, super. Bah merci beaucoup, Julien. C'était, je pense, une vraie montagne. C'est vraiment pas simple, justement, de catégoriser ça. Peut-être que je vais un peu vous parler de moi, ma typologie de bipolarité. Alors, c'est toujours très compliqué, et comme vous l'avez compris, c'est selon le psychiatre, selon ce que nous on pense. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment bah, y a pas de prise de sang, comme vous le savez. On peut pas, c'est pas ancré dans le marbre. Il semblerait pour ma part que ce soit un trouble bipolaire de type 2, sachant que c'est aussi possible que ce soit de la cyclothymie. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Assez rapidement, et on développera bien sûr, mais un trouble de bipolaire de type 2, la principale différence avec le trouble bipolaire de type 1, c'est qu'il n'y a pas de phase de manie. Donc en fait, on n'a pas eu d'hospitalisation dû au fait d'être justement en surconfiance beaucoup trop en haut. Et on a plutôt des épisodes d'hypomanie, c'est-à-dire que ça va être, entre guillemets, une situation de confiance où on parle plus vite, mais qui n'est pas extrême et qui ne demande pas soit un arrêt de travail ou soit une hospitalisation. Donc après, on va entrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est le point principal, si vous devez en retenir un. Ensuite, bien sûr, dans le trouble bipolaire de type 2, il y a des épisodes donc, dépressifs. Comme vous le savez, le trouble bipolaire, c'est des troubles dépressifs, des phases stables et des troubles donc, de manie, voire d'hypomanie, ça dépend des fois. Juste pour redéfinir, et je pense que c'est important d'avoir ce tableau en tête, on va avoir, en fait, il y a cinq, entre guillemets, stades, si on simplifie les choses. Il y a dépression sévère, donc là, une dépression forte, comme vous le comprenez. Dépression légère, on parle potentiellement de déprime, mais il faut faire attention à ne pas utiliser ce terme-là. Ensuite, bien sûr, de la stabilité, donc où on est plutôt stable. Ensuite, une phase d'hypomanie, donc une phase haute, légère, et une phase de manie, donc une phase haute, forte. Et c'est toujours intéressant, en fonction, bien sûr, du type de bipolaire que vous êtes, les variations vont différer. Et c'est vrai qu'on parle là du type de bipolaire, mais il y a aussi plein d'autres facteurs qui font que vous allez avoir des phases ou pas. Donc c'est bien pour dire que le fait d'être bipolaire de type 1, de type 2 ou autre ne définit pas votre maladie à 100%. Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez justement agir. Voilà, pour
assez rapidement développé le trouble bipolaire de type 2, mais je pense que je vais plutôt laisser Julien, qui a un peu plus travaillé sur le sujet que moi, le faire, mais on peut essayer de le faire un peu ensemble, du coup. Ouais. Du coup, alors si je pouvais rajouter déjà un petit truc sur le côté de la manie, on va déterminer que c'est une bipolarité de type 1 si finalement on n'arrive pas à déterminer que c'est autre chose aussi finalement. Parce qu'on peut se rapprocher de la schizophrénie quand on a des hallucinations, etc. Sachant que ce n'est pas forcément de la schizophrénie quand on a des hallucinations. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai eu des hallucinations, j'ai fait une bouffée délirante aiguë. Et je reste dans un trouble bipolaire, dans le sens où, comme je n'ai pas fait une deuxième bouffée délirante aiguë, comme je n'ai pas eu deux fois des hallucinations, bah, je ne suis pas passé en schizophrénie. Et donc, du coup, si on passe un peu sur le trouble bipolaire de type 2, eh ben, il va y avoir différents critères, comme le trouble bipolaire de type 1, qui vont déterminer que l'on est dans un trouble bipolaire de type 2 et non 1. Donc, ces critères, c'est au moins d'avoir fait un épisode d'hypomanie, du coup, donc le stade moins évolué que la manie, et au moins un épisode de dépression majeure qui soit actuel, donc actuellement en train de le vivre, ou que ça soit déjà passé dans le passé. Un des critères également, c'est de jamais avoir fait de manie. Donc finalement, ça veut dire que, par exemple, dans mon cas, le fait d'avoir fait une bouffée délirante aiguë ne justifiait pas le fait d'avoir fait un diagnostic de bipolaire de type 2, comme c'était une manie plus, plus, plus. Ensuite, il faut également, comme le bipolaire le trouble bipolaire de type 1, bah, que ça ne soit pas expliqué par un autre trouble psychiatrique. Il y a un point que je trouve intéressant et ça me vient à l'esprit, c'est que enfin, je vais poser même la question, c'est que j'ai l'impression que le trouble et son type de bipolarité peut aussi évoluer. Et que ce n'est pas comme si on était dans une case et qu'on va y rester ad vitam aeternam, parce que, bah, comme l'explique très bien Julien, à partir du moment où on a fait une phase de manie, bah, potentiellement, on peut changer de typologie de bipolarité. Donc c'était juste ce point que je trouvais assez intéressant et je te laisse continuer du coup, Julien. Yes. Après, bah, du coup, il ne reste pas grand-chose à rajouter, mais c'est vraiment que finalement, c'est aussi que les symptômes, que ce soit de la dépression ou de l'hypomanie, bah, ça provoque une souffrance qui est cliniquement significative et une altération du fonctionnement dans les domaines donc socio-professionnels, personnels, etc., qui vont être importants. Non, bah, merci beaucoup là-dessus, Julien. Donc, pareil, il vous a parlé assez longuement, et c'est très bien, du DSM-4 et du DSM-5, qui sont en fait la littérature scientifique sur le sujet. Comme pour le bipolaire de type 1, on va vous mettre le lien des articles scientifiques si vous souhaitez un petit peu approfondir le sujet, parce que bah, nous, enfin, pour ma part en tout cas, et pareil pour Julien, on n'est pas de culture scientifique. Donc c'est vraiment important d'aller voir ce qui est écrit par les médecins et par les gens qui ont fait bah, 7 ans ou plus d'études sur le sujet. Voilà, peut-être pour résumer rapidement, bon, comme on vous le disait, il y a différents types d'affectations et de troubles bipolaires. Donc on vous a parlé de la dépression sévère, de la dépression légère, de la stabilité, de l'hypomanie et de la manie. Donc c'est très intéressant d'avoir ces cinq phases un petit peu en tête. Et après, peut-être qu'il y a des choses à développer, Julien. Oui, après, il y a un autre type de bipolarité qui est du coup la cyclothymie, qui pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, et sûrement on le fera, mais si on peut la décrire un peu succinctement, finalement, ça va être que pendant une période qui est assez longue, finalement, qui est une période de 2 ans, donc ça c'est spécifié dans le DSM-5, hein, toujours, on va vivre autant des périodes de dépression que des périodes d'hypomanie sans savoir si l'un ou l'autre est plus important, en fait, finalement. Non, c'est ce qui est intéressant et ce qui est très compliqué, et c'est vraiment, prenez des guillemets, alors bien sûr qu'il faut se fier à votre psychiatre et que c'est important justement d'avoir son avis, mais il y a potentiellement des erreurs. Et je pense qu'il ne faut pas se mentir qu'aujourd'hui en France, le diagnostic n'est pas sûr et surtout le diagnostic peut changer, notamment à cause de la consommation de drogue.
Et là, on va avoir potentiellement des bipolaires qui vont devenir schizophrènes. Enfin, je connais pas extrêmement bien le sujet, mais juste gardez bien l'esprit ouvert. C'est pas parce que vous avez fait un test en ligne que vous le savez. C'est pas parce qu'un psychiatre vous a dit quelque chose que vous le savez. Faut toujours garder cet esprit ouvert et curieux, et vraiment aussi cet esprit critique. De manière générale, bien sûr, fiez-vous au corps médical qui est beaucoup plus à même à diagnostiquer. Alors ça, je tiens à le dire. Yes. Et du coup, ouais, alors on vous met les liens pour les tests donc dans la description. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire ces tests-là et à demander justement au psychiatre qui va confirmer ces tests ou les infirmiers finalement. Et c'est vraiment eux qui vont vous donner le diagnostic le plus précis à ce niveau-là. Oui, et n'hésitez pas aussi à nous dire de votre côté si vous le savez ou pas. Quel type de bipolaire vous êtes est-ce que vous avez des doutes? Enfin, on serait curieux d'en savoir un peu plus. Personnellement, moi, c'est le cas. Hein. Donc, c'est parce que le diagnostic Aïe. est toujours en fait un travail sur le temps. Et voilà, il y a des hypothèses et qui vont être confirmées ou pas. Et l'objectif, c'est toujours la même chose. Enfin, personnellement, c'est d'essayer d'avoir bah, le moins de troubles et donc de faire en sorte bah, de ne pas le rendre plus extrême. Enfin, c'est très compliqué et c'est pour ça que, à mon avis, en tant que médecin, tout ce qui est troubles psychiatriques sont très intéressantes parce qu'il y a énormément de choses à développer. J'avais lu il y a peu de temps que je crois que le cerveau est l'un des éléments les moins compris, dans le sens où on connaît probablement mieux l'univers, voire les océans, que le cerveau humain. Donc ça doit être assez génial et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Notamment au niveau médicaments et des nouveautés. Là, on a défini la partie scientifique, Ouais. notamment les différents types de bipolarité, type 1, type 2, cyclothymie et les autres dans lesquels on n'est pas rentré en détail. Pour la typologie type 1 de bipolarité, c'est caractérisé par une phase de manie qui souvent amène à une hospitalisation. Pour la typologie de type 2, donc il n'y a justement pas de phase de manie. En fait, il y a un niveau haut qui est de l'hypomanie, donc moins important. Donc, pour différencier hypomanie, c'est une phase haute qui est moins importante qu'une phase de manie ou maniaque, où là, c'est de la manie puissance 4, qui amène souvent à une perte de travail ou quelque chose de, entre guillemets, de mise en danger. Et ensuite, la cyclothymie. C'est justement de la bipolarité où il y a des changements sur des périodes longues. On va avoir des périodes basses et hautes sur une période de 2 ans, avec généralement pas de phase maniaque. Sachant qu'il y a aussi d'autres types de bipolarité, il ne faut pas oublier que ce diagnostic il doit être fait par un psychiatre. Merci à tous pour votre temps aujourd'hui, c'était un plaisir. Et merci beaucoup, Julien, d'avoir fait ce travail en amont sur la partie scientifique, justement. Yes. Merci à toi pour toutes ces précisions et merci pour encore une fois pour cet échange. Allez, ciao! Ciao!